Notre système scolaire n'est historiquement pas prévu pour scolariser dans un même espace classe des élèves aux profils variés, que ce soit en raison de leur milieu social, de leur genre ou de leur handicap. Aujourd'hui, un projet de société qui vise l'inclusion de tous les élèves dans un même établissement, principalement dans des classes ordinaires, implique des transformations. Les recherches internationales sur les transformations des organisations scolaires nous apprennent que les directions d'école ont un rôle important à jouer. L'engagement fort de ces directions d'école peut avoir un impact sur la réussite de tous les élèves, dès lors qu'elles agissent sur trois leviers. Premier levier concerne la clarification des objectifs à poursuivre à l'échelle de l'école, principalement en co-construisant une vision de l'avenir avec les personnels. Pour que les personnels s'engagent dans un processus de transformation, celui-ci doit faire sens pour eux. Deuxième levier concerne le soutien au développement professionnel continu des enseignants. Le rapport de l'Agence européenne sur les directions d'école et l'inclusion scolaire parle de repérer, développer les talents par deux actions, la formation et l'apprentissage entre pairs. Enfin, le troisième levier concerne la modification de l'organisation scolaire au sein de l'établissement. Quelle répartition des tâches, quelle collaboration permettrait aux élèves à besoins éducatifs particuliers en situation de pouvoir apprendre au même titre que les autres? Nous pensons nécessaire d'apporter un soutien extérieur aux directions d'école et à leur personnel, de manière à agir en même temps sur les trois leviers de changement présentés juste avant. Les établissements normands peuvent bénéficier de l'appui d'un accompagnateur ami critique, que ce soit en tant que conseiller auprès de l'équipe de direction pour mener à bien une stratégie de conduite de changement, que ce soit en tant qu'animateur de séances de travail avec les personnels de l'établissement cette fois-ci, pour leur permettre d'identifier et de choisir les besoins prioritaires qui sont les leurs. Que ce soit en tant qu'analyste de l'organisation actuelle du travail pour identifier les possibilités d'amélioration dans l'approche collective de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ils apporteront enfin une aide précieuse dans la formalisation d'axes de travail et de plans d'action, permettant au personnel de l'établissement d'avoir une vision plus précise des transformations qu'ils pourraient opérer en interne, les acteurs extérieurs qu'ils pourraient solliciter pour les y aider. Ces accompagnateurs amis critiques sont au nombre de 12 répartis sur l'ensemble du territoire normand. Ils suivent actuellement un diplôme universitaire accompagnateur d'établissements scolaires et dynamique inclusive, diplôme universitaire proposé par l'INSHEA. Cette année, 12 établissements normands sont accompagnés par cette équipe. Il reste à formaliser la manière dont les établissements pourront faire appel à eux à l'avenir. Ce point sera abordé avec l'École académique de la formation continue rapidement.